Le 13 octobre 1910, Kevin O'Malley, premier hôte de la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin, se défenestre. O'Malley ne sera que le premier d'une très longue liste, puisqu'on décompte dans cette chambre au moins 42 décédés sur les 68 dernières années, dont 12 par suicide et 30 soi-disant de mort naturelle. Des chiffres qui n'impressionnent pas Mike Enslin, un auteur, encore un, dont la spécialité est de passer une nuit dans des lieux soi-disant hantés pour ensuite écrire sur ce qu'il y voit. S'il a le plus souvent eu affaire à des attrapes touristes ou à des endroits plus chargés émotionnellement que réellement maléfiques, son expérience dans la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin pourrait bien changer la donne. Vous l'avez compris, il s'agit là de 1408, une nouvelle parue dans le recueil Tout est fatal et portée à l'écran dans une adaptation modeste mais réussie avec John Cusack et Samuel L. Jackson, le même duo que pour Cellulaire dont je vous parlais le 6 octobre. À croire que le multivers de King déteint même sur ses adaptations. En tout cas, cette histoire à la base, King n'avait pas prévu de la publier. Il l'avait même d'abord réservée pour Blood and Smoke, une collection de livres audio où il la lisait lui-même. Puis il en avait mis des extraits dans Écriture, Mémoire d'un métier, son essai sur l'écriture, pour montrer comment une histoire peut évoluer de brouillon en réécriture. Finalement, il décidera de la publier. Une histoire de chambre maléfique dans un hôtel, c'est trop tentant quand on est le créateur de Shining.